Waouh! Bonjour, beauté. Bonjour. Qui m'est là? Oui, beauté. C'est toi qui appelles beauté? Non, c'est toi. Pour m'appeler beauté, il faut avoir au moins 5 000 dans les poches. Oh, putain! En plus de ça, il nous parle de son patron. Oh, putain! Oh, putain, c'est même quel village? Certainement un village très pauvre et extrêmement endetté. Je dis, hein, vous osez venir chez moi, vous manquez du respect. Chez toi? Tu vis chez une femme, hein? Car c'est Kim qui paye le loyer. Mais tu dis, vous venez me manquer de respect chez moi. Mon ami, tu es un ambassadeur. Oh putain! Mon ami, tu n'es qu'un gigolo. Je sens ton ami, move, je sens ton ami. Kim! Kim! Bébé, qu'est-ce qui se passe? Non, bébé, ça ne va pas. Passé. Non bébé, ça fait mal. Qu'est-ce qui fait mal bébé? Les deux filles m'ont manqué de respect. Kim, arrête ton gars. Kim, pardon, arrête ton gorille. Non bébé, ça fait mal. Bébé, s'il te plaît, calme-toi. Non. Bébé, laisse-moi gérer ça. Ça fait mal. Va t'apprêter, tu seras en retard. Bébé, si tu arrêtes, tu arrêtes cette opportunité. S'il te plaît, va t'apprêter. Kim, tous les jours au journal de Canada, on voit les hommes qui découpent leurs femmes. Et aucun de ces hommes qui découpent leurs femmes n'est riche. Quand un homme est pauvre et violent, c'est dangereux. Ma soeur, il ne faut pas que ton corps se retrouve au journal de Canada. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il finira par te... Je vois que vous aimez bien regarder les films d'horreur. Le film d'horreur, c'est ce qui va te faire. L'horreur, c'est ce qui va me faire. Chérie, je pars déjà. Je ne comprends pas, ça c'est ton taxi. En rangant, tu achètes un taxi quand j'ai 200. Parce que je ne veux pas la sauce pistache avec le foufou. Et comme tu manges, pour vous laver toujours, ça fait 4 pour toi. Depuis les jours où l'on s'était connu, plus le temps passe, notre amour reste mûr. Plus on se connaît, plus on se complète, plus on se respecte. Nos sentiments sont vrais. Tu as vu ce que je viens de voir là? Laetitia, j'ai vu le même film d'horreur que toi. Le film d'horreur, c'est votre habillement là. Pardon. Vous vous habillez comme des prostituées pour venir traumatiser mon fiancé. Tu as reçu un homme et tu veux critiquer notre habillement. Je préfère entretenir un homme que de faire la waka. C'est notre métier qu'on a choisi. Et moi, je te dis sincèrement, je préfère 1000 fois me prostituer que de vendre le poisson brisé sous le soleil pour entretenir un homme. Vendre le poisson brisé sous le soleil, c'est le métier que j'ai choisi. Là, au moins, je garde ma dignité. Entretenir ce bazibouzouk, selon toi, c'est être digne. Nous avons fait le collège ensemble. Nous avons été amis. Mais apparemment, nous vivons dans deux mondes différents. Tu ne crois pas si bien dire. Kim, ce gars ne te mérite pas. Tu nous demandes de quitter. J'ai dit quitter. Kim, attends un peu. Tu nous chasses de chez toi. Mais, Kim, ce gars t'a donné l'autobassi. Allez-vous-en de chez moi et ne revenez plus jamais ici. Tu ne nous chasses pas. C'est nous qui partons. Et comme on parle, nous-mêmes, on ne veut plus jamais te revoir. Les deux filles que tu as vues là, c'était mes amies. On a fréquenté ensemble. On a eu le bac ensemble. Elles ont décidé de devenir waka. Elles viennent me dicter ce que je dois faire dans mon foyer. En tout cas, tu as bien fait de leur demander de partir. Si elles vendent leur corps pour de l'argent, elles iront en enfer. Et elles veulent t'entraîner avec elles. Seigneur, et en plus de ça, ce qu'elles sont de faire là, c'est interdit dans la Bible. Ah ça? Kim, je te propose de m'accompagner à l'église dimanche. Mon pasteur va prier pour toi. Et merci beaucoup, Alice. Merci beaucoup pour tes précieux conseils.
Depuis que nous sommes voisines, tu es devenue plus qu'une sœur pour moi. Kim, les sœurs ne sont pas toujours les enfants d'une même mère. Celles que je considère comme mes sœurs ne sont vraiment pas. Bref, ma voisine, j'ai appris que tu vas préparer la sauce pistache avec nos foufous. Quand tu as fini, garde pour moi. Ok, vas-y. Chérie, j'ai eu le travail. Hé, tu fais quoi? Je ne comprends pas. Comme je t'ai dit, là, j'ai été retenu, j'ai déposé mon dossier, j'ai été retenu, j'ai fait l'entretien avec le poste et j'aurai un salaire de 600 000 francs chaque fin du mois. Hé, merci Seigneur, merci mon Dieu. Merci papa. Enfin, mon mari a eu le travail, Seigneur, merci. On va se quitter en location, on souffre une très belle maison. Bébé. Ce qu'on s'est mis au Seigneur est très merveilleux, non? Bébé, tu es diplômé, tu es licencié mon chéri, tu travailles bien là-bas, tu vas devenir cadre. Ton salaire va grimper à 1 million mon amour. T'inquiète pas pour l'autre là chérie, je vais me concentrer. Bravo. Félicitations mon cher voisin. Merci. Le Seigneur augmente ton salaire. Tu as mis quitter la location et manger à ta faim. Oh, merci. Voisine. Parlons de location, chérie. La chambre, c'est trop petit pour nous. Il nous faut le studio. Tu as besoin de maintenant. Viens voir. Non. Le locataire vient te délibérer ça. Il va t'apprendre à partir de demain. Non, le Seigneur m'a aidé, chérie. Ma vie va changer. Par toi, sois-moi. Bébé. Oui, chérie. Bébé, c'est que tu t'as augmenté mon compte de commerce, non? J'espère que tu n'as pas oublié. Je sais, je vais pas oublier. Merci chérie. Bonjour voisin. Bonjour. Bien dormi. Voisin, j'aimerais savoir, qu'est-ce qu'un homme aussi beau, charismatique et intellectuel comme toi fait avec une briseuse de poisson à l'uniforme? Mais tu comprends pas. Qu'est-ce que tu veux pas la dire? Tu ne comprends pas quoi. Ok, je vais aller un peu plus doucement. Bon gosse, je ne sais pas ce que cette fille t'a donné pour que tu sois aveugle depuis tout ce temps. Figure-toi que Kim prétend vendre le poisson brisé à mammifère. Pourtant, elle se prostitue avec ses amis qui sont venus t'insulter ici la dernière fois. Je ne comprends rien. Tu veux dire quoi par là? Que ma femme est une prostituée et que les filles qui sont venues ici la dernière fois sont prostituées? Exactement. Je ne te crois pas. Kim ne peut pas être Yuaka. Ok, tu ne crois pas. Demande à ta femme en son retour. Si les filles qui sont venues ici la dernière fois ne sont pas des prostituées, tu verras sa réponse. Je te le dis parce que je t'aime bien. Depuis que tu es arrivé dans ce camp, j'ai posé mon regard sur toi. Je suis en train de te protéger. Tu mérites d'être avec une personne comme moi, qui a des qualités et de la dignité, et non avec une femme qui prétend être une vendeuse de poissons, pourtant c'est une prostituée. Ce que tu dis est possible. Kim ne peut pas être une waka. Ok, je vais t'apporter des preuves. Qu'elle sort et qu'elle rentre, prends le temps de fouiller ses affaires. Tu vas trouver des préservatifs à l'intérieur. C'est pas l'instrument du travail des wakas. De toutes les façons, je suis belle, je suis beau. Quand tu voudras une vraie femme, cherche-moi. Comme ça, tu peux t'acheter quoi? On va s'acheter des noms. Ça pour combien comme ça? Tout ça, deux. Regarde, bonne qualité. J'ai un peu de temps. Tu m'avais fait 100 fois.
C'est quoi ça? Je ne sais pas. Ça fait quoi dans ta poche? Chérie, je ne sais pas d'où ça sort. Toi et moi, on utilise ça. Non. Ça fait comment pour se retrouver là dans ta poche, dans ton habit? Je me suis perdu, je ne comprends pas. Qui est perdu? Dis-moi, les filles qui sont venues la dernière fois m'insulter, me traitant de tous les noms d'oiseaux, elles font quoi dans la vie? Pourquoi je me pose cette question? Kim, depuis que tu as posé la question pour la dernière fois, les deux panthères, les deux araignées, les deux oiseaux qui étaient sur la dernière fois, elles font quoi dans la vie? Pourquoi tu demandes ça? Ce sont les wakano. Laisse ça. Ce sont les panthères, n'est-ce pas? Ça veut dire que toi aussi tu es une waka, n'est-ce pas? Non, bébé, tu es le seul homme de ma vie. Les gens marchent dehors par catégorie. Non, ne confonds pas des choses, nous ne sommes pas pareils. Parce que l'ami d'une bordel, c'est une bordel. Mon gosse, mon chéri, elle et moi, nous ne sommes plus amis. L'ami d'une waka, c'est une waka. Mon gosse, la tante, tu n'es pas une waka, mes amis, si, mais pas moi. On sait que qui s'assemble se ressemble. Moi, mon gosse, je ne connais pas cette ville-là. On sait que quand vous êtes ensemble, ensemble, ne fais pas ce qu'elles font. Quand la planète boit, tu bois aussi. Tu sais bien que je ne consomme pas d'alcool. Quand la planète chope, tu chopes aussi. Je ne mange pas avec elle. Tu es une menteuse, une grosse menteuse même. Et je ne peux pas te dire ça. Quand la planète fume, tu fumes aussi. Pourquoi tu sais bien que je ne fume pas? Quand la planète met, tu mets aussi. Hey, c'est arrivé là-bas. Tu n'as pas honte. Tu trompes un beau gosse comme ça là. Mon chéri, pardon, viens pas. Viens, pardon. Tu parles de quelle amitié? Toi et moi, nous sommes amis. Toi et moi, nous n'avons jamais été des amis. Je ne suis pas amie avec les waka, madame. Je t'ai confié mes secrets. Tu n'as pas hésité à les rapporter. Oh madame, laisse-nous respirer un peu. Bon gosse, pourquoi tu me fais ça? Je t'ai fait quoi? Je t'ai supporté pendant des années. Femme au foyer, ça j'ai assumé. Oh. Tu as supporté quoi? Dis-moi plutôt que tu as supporté le planting de tous tes clients. J'ai mis ma vie en suspens pour ta carrière professionnelle. Hey, bébé, oh. Tu étais obligé de mettre ta vie en suspension. Je ne t'ai rien demandé. Ah oui, oui, il ne t'a pas obligé. J'ai sacrifié ma vie pour ton avenir, je croyais serait le mien. Donc tu veux que mon avenir soit le tien. Que t'as pas d'avenir, tu vas donner à qui? Une fois devenu cadre, tu m'as poursuivi pour une waka qui n'a même pas. Qui waka? Ta mère waka, tes soeurs waka, tes amis waka, tous tes ancêtres waka, les ancêtres de tes ancêtres waka. Bon, madame la waka, je te laisse avec les instruments de ton travail. On me fait ça, mon gars. On me fait ça. Plus le temps passe, notre amour reste mûr. Tellement...
on se connaît, plus on se complète, plus on se respecte. Nos sentiments sont vrais, plus on est soudés, plus on est en fait. T'es mon miel, t'es mon amour pour la vie. Je rêve de nous deux, même dans une autre vie. T'es mon âme sœur. J'ai dit, monsieur, on ne mange pas dans cette maison aujourd'hui. Je n'ai pas, je fais comment? Je n'ai pas, si j'avais su que tu devais être en cuisine en train de préparer. Je n'ai pas. Et je fais comment? Je commence à danser. Tu ferais mieux de sortir, aller chercher un travail là-bas. Parce que je te dis, tu dois continuer à m'entretenir et à me nourrir. Tu comprends ce que je dis? Il faut même comprendre que si je perds mon travail, c'est à cause de toi. Parce que chaque nuit, on était en boîte. Le matin, je ne parviens pas à arriver au travail. Je me lève étant sourd parce que je n'ai pas la force de travailler. C'est comme ça que j'ai fini par perdre mon emploi. Et j'ai dû déposer des dossiers partout, je ne trouve pas. Ce n'est pas de ma faute si tu es bête. Si tu ne peux pas joindre l'utile à l'agréable, ce n'est pas mon problème. Soit tu vas chercher le travail, même dans un chantier, tu vas trouver le travail. Sache que tu dois continuer à m'entretenir, c'est tout ce que je te demande. C'est le chantier là qui est passé. J'ai déjà cherché aussi, fatigué, même le chantier là, je ne trouve pas. Donc. Tu mens, il y a des chantiers baissés ici dehors. Donc toi-même, tu peux m'aider à chercher. Dès que tu trouves, tu me dis, je vais aller travailler. Il y a des chantiers partout ici dehors, donc ne cherche même pas. Il y a des chantiers. Mais on n'a pas besoin de manœuvre. Eh, pardon. Je fais comment? De toutes les façons. Premièrement, qui m'a déménagé? Donc on doit penser à quitter d'ici. Et elle a habité dans ton ancienne maison où tu habitais avec elle. Deuxièmement, mes habits sont trempés là-bas. Quand je rentre, je dois les trouver bien lavés. Tu as compris? Même ma paille là pour vous derrière là. Tu peux aussi laver tout ça. Depuis les jours où l'on s'était connu, plus le temps passe, notre amour reste mûr. Tellement on se connaît, plus on se complète, plus on se respecte. Nos sentiments sont vrais, plus on est soudés, plus on est vrai. Oh God! Tu es très belle, j'ai failli ne plus te reconnaître. Qui mon amour, je t'ai fouillé partout dans la ville. J'ai même perdu espoir de te revoir. Moi ton amour. Tu resteras toujours l'amour de ma vie, Kim. J'aimerais que toi et moi se remets ensemble. Une fois ma vie changée, je revois le poisson. Le poisson revient, oh quel courage. Moi poisseux, Kim. Moi beau gosse, poisseux. Tu vois comment? Et hey, stop, ne me touche pas. Demande à beau gosse, tu fais quoi ici? J'ai trouvé un travail ici comme manœuvre, c'est là où je me débrouille pour avoir les petits sous. Seigneur, merci mon Dieu. Tu vois comment la roue tourne? Toi, manœuvre dans mon chantier. Oh, putain! C'est ton chantier ici? Bien sûr, c'est ma maison ici. Oh, putain! Comment tu as fait Kim pour que ta vie change ainsi? Dieu merci pour nous on a terminé ainsi. Jésus t'aime ce rayon. Je sais que tu es déçu Kim, mais je ne t'abandonnerai plus jamais. Je vais t'accompagner dans tes projets et je ne t'abandonnerai plus jamais. Maintenant j'ai trouvé mon gars qui m'appelle Gautise, qui m'a calotisé, qui a changé mes lèvres. Pourquoi on aime maintenant dans ta vie Kim? Tu me parles de quel homme là? Qui a belgocité ta vie? Belgocité, qu'est-ce que tu vas entendre parler de belgocité? Je suis le seul beau gosse dans ta vie. J'espère que tu me fais bien comprendre, Kim. Non, ça va, chérie, il n'y a rien. En fait, lui, c'est mon ex, beau gosse. Ah oui, le jeune homme qui s'appelle beau gosse. Celui qui t'avait traumatisé, abandonné comme un vieux chiffon. Oui, chérie. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il paraît qu'il a trouvé le travail dans notre chantier. Beau gosse, n'est-ce pas? Oui, c'est bien moi. Enchanté. Tu es manœuvre ici? Oui, oui. Tu portes les papas? Mm-hmm. C'est moi. Retourne bosser, petit, d'accord? C'est bébé. Ma villa! Collègue, tu pleures quoi comme la chèvre comme ça? Ma villa! C'est
pour la bouche du chantier que tu pleures comme ça? Moi j'ai commencé tout petit comme le manangaré Boboala. Comme nous tous, mais petits nous le sommes toujours, frère. Cette femme que tu vois là était ma fiancée. Attends un peu collègue, attends. Là tu délires, tu parles de la bouche du chantier. Elle me soutenait, elle m'entretenait. Nous n'avions rien, mais elle était prête à tout pour moi. Attends, ça c'est comment pour la perdre non vieux frère? Grâce à elle, j'ai eu un travail. J'avais même un salaire de 600 000. Attends un peu. 600 000? Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Je suis monté plus haut que le ciel. N'exagère pas aussi. 600 colos, ce n'est pas le milliard. Que haut, plus haut que le ciel. La voix, elle, était le meilleur cadeau que le ciel peut offrir à un homme. Et qu'est-ce qui n'a donc pas marché, bon? Content de voir la vie m'offrir ce cadeau. J'ai mis genou au sol pour remercier mon Dieu. Vous voyez bien la partie là, épargnez-moi de ça. Le leader est arrivé à quel moment? C'est ce qu'elle veut savoir. Mais comme le bonheur ne vient jamais seul. Pourquoi est-ce que le bonheur ne vient jamais seul? Parce que le succès ne vient jamais seul. Waouh, ne m'embrouille pas. Accouche, dis donc, le leader est arrivé à quel moment? La vie m'a donné l'or, elle m'a fait mordre la poussière. Je commence à comprendre. Tu l'as trompé, n'est-ce pas? Je l'ai laissé, je l'ai abandonné pour aller m'installer avec la voisine. La voisine Mola? Non, Tara, tu as fait fort. Ma vie là, oh, yeah, yeah, yeah. Attends, la voisine là est où maintenant? La poule a cessé de pondre les œufs. Je vois. Tu as perdu ton travail, n'est-ce pas? Les vautours ont fini de manger la chair, ils ont laissé les os. Et c'est comme ça que tu t'es retrouvé ici, n'est-ce pas? Je suis tombé plus bas que la terre. Oh, oh. Ferme ta bouche. Vous me dépassez souvent. Hein. Tu as la chance d'avoir une si belle femme. Tu la laisses partir, mon frère. Ma vie là. Oh, yeah, yeah, yeah. Pardon, laisse les fleurs. Viens travailler. Ma vie là. En utilisant le code promo 237 Club. Parce que quand vous pariez pour la première fois, ça double votre crédit.